Oh la fusée viteux! Oh la fusée viteux que je viens de leur mettre! Yop les tryhards, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard et aujourd'hui on est là concernant le déblocage du camouflage. Or, vous savez ce camouflage mythique qui est apparu la première fois sur Call of Duty Black Ops 1. Là, je suis en train de réveiller ta petite nostalgie mon pote. Eh ben il est de retour sur Call of Duty Vanguard. Enfin quoique, il est disponible chaque année, mais bon, il est quand même là cette année. Et il est quand même assez joli, mais par contre assez chiant à débloquer. Surtout qu'il y avait quand même pas mal de bugs. Je sais que certaines personnes sur le live Twitch me disaient comment tu fais pour avoir débloqué le camouflage or sur la STG lorsque moi je ne pouvais pas. En fait, toutes les personnes qui avaient joué la STG 44 sur Warzone ont eu un bug avec Call of Duty Vanguard et ne pouvaient pas donc débloquer ces fameux camouflages. Évidemment, il semblerait que c'est réglé ou ça va être réglé prochainement, donc on espère que ça va être le cas pour vous, pour ceux qui sont en train de grind le camouflage ultime atomique. En ce qui me concerne, je ne vais absolument pas débloquer ce camouflage-là, je ne le trouve pas exceptionnellement beau et je trouve que les défis sont très très hard. Surtout avec les bazookas, c'est quelque chose que je n'aime pas utiliser, surtout pour débloquer ce genre de camouflage là. Encore, ça aurait été le Dark Matter de Call of Duty Black Ops 4, mais alors là, direct, direct. Avant de vous montrer tout cela et vous montrer un gameplay qui va avec, et de parler un peu de ce camouflage or, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau à cette chaîne YouTube, de lâcher un gros pouce bleu, de défoncer la barre de like, parce que chaque soutien est important pour la chaîne YouTube. Vous faites évoluer la chaîne, vous faites évoluer les vidéos, donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures, je compte vraiment sur vous pour lâcher ce gros pouce bleu, c'est gratuit et ça aide la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires qu'est-ce que toi tu en penses de ce camouflage or, est-ce que tu le trouves beau, est-ce que tu le trouves moche, ou quel est ton camouflage or préféré que tu souhaiterais voir d'un ancien Call of Duty, que ce soit Call of Duty Black Ops 1, que ça soit Modern Warfare 3, ou que ça soit éventuellement Call of Duty Black Ops 3. Et pour ceux qui l'auraient oublié, nous sommes en live tous les jours sur Twitch à partir de 8-9 heures du matin, voire 7 heures du matin, à claquer des nucléaires, à claquer des grosses games, à passer du bon temps sur Call of Duty Vanguard, à grind de Twitch game, mon pote. Enfin bref, allons voir ce camouflage or. Let's go. Petite STG 44 en or, elle est plutôt assez belle, je trouve. Assez sympathique, alors on va plutôt mettre au niveau de la lumière. Plutôt fort sympathique, quand même. Très très fort sympathique. Après, on va pas se le... T'es campé là, monsieur. Après, on va pas se le cacher. J'en ai chié pour l'avoir, vraiment. J'en ai chié pour l'avoir. On va dire que le multi est rempli de STG 44 et de MP40. Donc, déjà que c'est compliqué de jouer avec la STG avec du skill-based matchmaking, hein, tout court. Parce que les lobbies sont ultra trash. Bon, par contre, ce lobby a l'air plutôt cool pour une fois. Je shoot Philippe, mais par contre, elle passe bien la moins 3. Non! Et pour une fois que j'ai un lobby comme ça, oh, je vous dis tout de suite, on va un peu en profiter. On va attendre. T'as envie de venir? T'as pas envie de venir? T'as envie de venir? Mais. What the... Mais t'es où? Ok, d'accord, t'es parti de l'autre côté. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ouh, c'était chaud. Et comme je disais, donc du coup, j'ai joué avec la STG. C'est un peu compliqué avec certains accessoires. En l'occurrence... Je sais pas qu'est-ce qu'il y a ici. En l'occurrence avec les canons. Parce que les canons... Bon, bah t'as des canons, c'est plutôt assez... assez cool de jouer avec. D'autres, c'est juste catastrophique. Ok, on va prendre le top. Et surtout, les défis avec d'autres armes sont ultra, ultra compliqués. En l'occurrence, là, je suis avec la MP40 en ce moment, et je dois faire les long shots. Alors, je sais, il faut aller en hardcore, c'est beaucoup plus simple, ou je connais dans l'espace des commentaires, je connais les techniques. Et le truc, c'est que c'est super long pour les headshots, et surtout avec des accessoires, c'est très, très compliqué. Bon, par contre, mes chiens, ils sont en train de faire un massacre. Tu veux pas revenir ici, toi? Reviens, reviens. Et mes chiens, ils sont en train de défoncer tout ce qui existe sur la map. Par contre, j'aime beaucoup le camouflage or. Non, il veut pas mourir, lui. Hein. J'aime beaucoup le camouflage or sur Vanguard. Il va me la mettre, hein. On va sortir la Vissat. Ok, parfait. Il y a vraiment... Y'a vraiment des gens qui jouent le petit corner là? C'est la première fois que je le vois. Enfin, que je vois quelqu'un jouer dessus quoi.
Attention là quand même hein. Ouais, je suis désolé, je suis un peu concentré, il y a moyen de taper la nuque. Ah, je vous le cache pas, hein, le lobby est incroyable. Toute la journée à affronter des TTV qui arrêtent pas de bouger partout, alors là... On est en série de 20. Monsieur, c'est pas bien de camper. Il faut quand même dire que, voilà, le camo est super beau. Moi, je le trouve magnifique. J'aime beaucoup aussi le camouflage diamant zombie. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment. Moi, je le trouve juste magnifique. Ok, on va... Wow, on va un peu ralentir. On va prendre ça direct. Et on y retourne. Et je sais plus comment ils s'appellent, ces zombies fléaux, je sais pas quoi, mais c'est super beau. Ah, on regarde tous les corners là. On a 2 kills nuke. Oh putain. Et let's go, fusée V2. Oh, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur. Ok. Bon, on peut continuer à faire une petite série. Hein. On en profite. Hein. Et le camouflage diamant zombie, il est vraiment magnifique, hein, à mon sens. Je sais qu'il y en a eu beaucoup qui le critiquaient sur Twitter. D'ailleurs, je rappelle, hein, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Instagram. Mais je trouve très 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 sous-côté. Ok. On a Super Masto. Oh, on a la médaille. Hein. C'est la première fois que je la débloque, là, par contre. Dommage. Ok. Très bien ici. Dommage. Enfin bref, je trouve que les défis sur Vanguard pour les camos sont un poil trop compliqués. Voire beaucoup trop compliqués pour ce que c'est. Surtout si... Voilà, si tout le monde joue STG 44, c'est plutôt assez compliqué. Les games sont plutôt assez trash. Et encore, il y a des armes voilà, qui sont absolument pas très fortes. La Stunner, par exemple, l'exemple typique... C'est une arme absolument pas forte pour le moment, donc très compliqué de jouer là-dessus. Et je pense encore à d'autres armes, éventuellement les snipers qui doivent subir la STG, qui doivent subir la MP40, qui sont des armes très très fortes. Et limite, bah t'es obligé de jouer avec ça. Sans parler que les défis, encore ça va, encore ils sont... Le truc c'est que sur certaines armes, c'est pas les plus compliquées. Faut être franc, c'est pas les plus compliquées. Mais vu qu'il y a un skill-based matchmaking tellement fort dessus, bah c'est super trash de faire certains défis. Je me suis pris un backspawn. Bon, au soir, on a toujours la petite V2 encore à côté, donc on est good. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez du camo or. Peut-être que je suis le seul alien. Peut-être que je suis le seul alien qui aime tout simplement jouer avec cette arme-là. Hein. C'est possible, hein. C'est possible que je sois le seul mec de ce monde à aimer le camouflage or de Vanguard. Et en plus, c'est tellement un camouflage mythique à travers les différents Call of Duty. Pour moi, c'est un camouflage que tu dois pas rater. Tu peux pas te permettre de rater le camouflage or. Autant, tu vois, les gens ont critiqué Cold War, mais Cold War, le camo est stylé. Le camouflage or est très 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 beau. Camouflage diamant, un peu moins. Je trouve qu'il est un peu bâclé, ils auraient pu faire un truc un peu mieux. Monsieur. Tu l'as ? Ah, il l'a eu. Ok. What the fuck ? Je me prends des dingueries durant cette game. Faut forcément que ça m'arrive. Le Goliath qui m'explose de l'autre côté, quoi. Je suis dans le bâtiment au top. Non, t'inquiète. Tu vas te le prendre, ton coup de Goliath. Mais surtout, est-ce que cette année, j'ai envie d'avoir le dernier camo? Je vous avoue que le dernier camo m'a pas donné forcément envie de grind. Surtout qu'il y a 4 bazookas montées en or. Et c'est plutôt assez compliqué de tout faire, surtout au niveau des bazookas. Allez, hop, on balance la V2. Balance, cherche pas à comprendre. Ça fait toujours plaisir de sortir une putain de bombe atomique sur Call of Duty. C'est la vie, la bombe atomique, c'est la putain de vie. Ça s'appelle les camouflages or ont un peu niqué mes stats, frérot. Enfin, le camo or sur STG, puis là, j'ai fait la MP40. Attention les défis. Hein. Attention, la fenêtre. Allez, il y a encore un gars.
qu'on peut. Voilà, merci. Un drone. J'ai pas lancé aussi. Encore, encore. J'ai les chiens. J'ai bientôt la vissâtre. Bon, je suis en train de les enchaîner, attention hein. Non, j'ai fait le con. Ok, vissâtre. Non! Mais qu'est-ce que je suis en train de leur mettre là? Et allez, let's go. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir. Attends, t'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like. Et ensuite, tu me follow sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublies pas de checker les autres vidéos.